Nous avions parlé sur les fondements. Nous avions dit ceci, que les fondements déterminent la grandeur ou la dureté d'une maison. Si les fondements sont forts, la maison sera aussi forte. Si les fondements sont faibles, la maison sera aussi faible. Et aujourd'hui, nous voulons parler pardon sur les forteresses et les destins, Amen. Amen. Chacun de nous a un destin que Dieu a fait préparer pour lui. Les destins, en fait, c'est le plan de Dieu pour la vie de tout et chacun. Les destins, c'est ce que Dieu a arrêté avant même que toi tu sois né pour toi. Le destin, c'est tout ce que Dieu a tracé, le chemin que Dieu a tracé au devant de toi, pour que lorsque tu naîtras, tu suives ou tu marches sur ce chemin afin d'atteindre ton objectif. Le destin, c'est le plan de Dieu pour ta vie, ce que Dieu a préparé, conformément à sa parole dans le livre de Jérémie, où il dit j'ai un plan nouveau pour tout et chacun. Dieu a préparé le plan de bonheur, le plan merveilleux pour tout et chacun. Avant même que tu ne sois né, Dieu avait déjà préparé cela, ce qu'on appelle les destins. C'est que Dieu avait déjà préparé tout. Et lorsque toi, tu vas naître, tu vas marcher sur ces chemins-là et atteindre ton objectif. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous voulons parler des forteresses. Les forteresses, si nous rentrons à l'Ancien Testament, les forteresses étaient des maisons fortifiées qui permettaient aux soldats de se cacher quand les ennemis vont les attaquer. J'ai dit que les destins permettaient, et c'était comme une protection pour empêcher l'ennemi de vous atteindre. Même si l'ennemi attaque, il ne pourra pas vous atteindre parce que vous êtes cachés dans ces lieux forts, dans ces lieux fortifiés. Les forteresses. Si nous lisons l'histoire de David, nous allons voir qu'il s'est caché. Il est entré dans les lieux forts de forteresse, il s'est caché. Quand l'ennemi attaquait, l'ennemi ne pouvait pas le toucher la tête parce qu'il s'est caché. Et quand l'apôtre Paul dit maintenant dans les livres des 2 Corinthiens que les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais ce sont des armes spirituelles qui nous aident à renverser les forteresses. Alors les forteresses, là où l'apôtre Paul parle, c'est où? Le diable, connaissant que Dieu a un destin pour tout et chacun, le diable s'arrange maintenant pour empêcher le peuple de Dieu d'atteindre leur destin, de toucher tout ce que Dieu a préparé pour eux. Et le diable s'organise en mettant des forteresses dans la vie des enfants, dans la vie des hommes, pour leur empêcher de croître. En fait, le rôle des forteresses de l'ennemi dans la vie d'une personne, c'est quoi? C'est juste pour rendre nulle la vie de cette personne. Ce sont les stratégies que le diable fait. Et pourquoi on l'appelle forteresse? Parce que lorsque ça se cache, lorsque le diable entre dans la vie d'une personne, il bâtit une forteresse. C'est-à-dire, c'est pour empêcher la prière de cette personne de changer sa vie. Même si la personne passe le temps dans la prière, ces prières-là ne seront que comme des fables, des prières faibles. Voilà pourquoi nous remarquons des gens qui passent le temps dans la prière, mais rien ne change. Lorsque nous parlons du changement, nous voyons plus l'aspect spirituel, parce que c'est le spirituel qui contrôle tout. Et quand le diable construit une forteresse dans la vie d'une personne, c'est-à-dire cette personne peut prier, cette personne peut chaîner, mais c'est très difficile pour qu'il y ait changement sur sa vie spirituelle. Parce qu'une fois, si la vie spirituelle d'une personne est prospère, cela entraîne aussi tous les départements de la vie de la personne à prospérer. Mais comment est-ce que le diable entre maintenant pour créer ses forteresses dans la vie des gens? Il entre par des petites choses. Le diable est très malin. Il n'aime pas que les enfants de Dieu progressent, réussissent dans l'air. Tu peux faire
faire les slogans, tu peux crier, je résiderai. Tu peux faire les déclarations au début de l'année, mois de janvier, le 31 décembre. Cette année, je verrai. Cette année. Ce sont des déclarations. Mais s'il y a des forteresses de l'ennemi en toi, tu vas arriver jusqu'au mois de décembre, tu ne verras pas tout ce que tu avais prononcé. Non parce que Dieu ne veut pas te bénir, mais parce que ces forteresses-là constituent un obstacle. Ces forteresses-là empêchent Dieu de visiter et de changer ta vie spirituelle, qui de changer tous les départements de ta vie. Mais comment est-ce que le diable entre pour faire ces forteresses? Il entre par les petites choses que nous négligeons, les péchés que nous chérissons, les mauvaises pensées que nous laissons travailler dans nos têtes. Ce sont les portes qui permettent au diable d'entrer et il crée une zone ombre dans la vie d'une personne. Comme lui, il aime les ténèbres, il va maintenant prendre cette partie-là, il va prendre cela et il te fait croire que c'est ton attitude, c'est ton comportement, c'est ton tempérament. Moi, je fonctionne comme ça. Moi, j'agis comme ça. Ça, c'est moi. Et en dessous, le diable se cache. Et il crée une forteresse. Une zone très forte. Et c'est là qu'il bloque tout changement dans la vie d'une personne. Tu pries, tu cherches à Dieu, tu jeûnes, mais la forteresse est là. Pourquoi? Parce que le diable s'est caché derrière ce qu'on appelle mes pensées. C'est mon attitude, c'est mon comportement, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que j'agis. Mais est-ce que ton agissement là est conforme à la parole de Dieu? Ta façon de penser là est propre, est bonne devant Dieu? Si oui, gloire au Seigneur, sinon sache que cela ouvre la porte à l'ennemi pour entrer et faire une forteresse. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ceci, que les armes que nous utilisons nous servent à renverser ces forteresses, c'est-à-dire ces zones fortes que le diable a créées, que les maisons fortifiées que le diable a mis en nous pour nous empêcher. Bien aimé, vous savez, dans un combat, le plus. Généralement, on peut perdre le combat si dans ton camp, tu as l'ennemi. Facilement, tu peux perdre le combat. C'est ça le rôle des forteresses. En fait, tu pries, tu chasses les démons, mais il est en même temps à tes côtés. Il est en train de t'affaiblir. Tu chasses les démons, tu pries, tu fais le prière d'autorité, mais lui, il s'est caché quelque part. Il a créé une zone forte en toi. Et il se cache derrière ce qu'on appelle mes pensées, mes attitudes. Moi, je parle comme ça. Moi, j'agis comme ça. Dans notre famille, c'est comme ça. Notre papa aussi était comme ça. Ma maman aussi est comme ça. Mes grands frères, tout le monde, nous sommes comme ça. Tu laisses des pensées négatives entrer. Et le diable se cache là. Il crée une zone forte. Et c'est cette zone-là qui complique là, souvent les vies. C'est cette zone forte-là qu'on appelle forteresse, qui complique beaucoup les vies des enfants de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul insiste et dit: les armes que nous avons, cela nous sert à renverser les forteresses de l'ennemi. Tu ne peux pas prospérer si en toi il y a les forteresses de l'ennemi. Tu ne peux pas prospérer si en toi le diable a créé des zones fortes en toi. Si le diable a mis des zones fortes, il a mis son camp, il a mis ses éléments en toi. Et ces éléments-là se cachent, agis discrètement. Ils vont te laisser aller à l'église, ils vont te laisser prier. Des fois, ils vont même te laisser servir. Ils vont même te laisser, je ne sais pas moi, chanter, faire quoi tu veux à l'église. Mais ils te bloquent quelque part. C'est très difficile pour comprendre que le diable est assis derrière cette chose. Mais pourtant, c'est ça la clé qui bloque et qui complique les choses. Combien de fois tu as déjà fait des déclarations le 31 décembre et cette année, je verrai ceci. Cette année, combien de fois tu as déjà fait des prières pour dire que Seigneur, je suis fatigué avec ça, maintenant je veux voir la gloire, j'ai fait que les portes s'ouvrent, tu as fait des déclarations. Combien de fois tu as prié pour ta vie spirituelle, Seigneur, je prends la décision, je veux méditer la parole chaque jour, je veux jeûner chaque semaine, je veux donner à Dieu, je prends la décision de marcher dans la crainte de Dieu. Mais après un temps, tu te rends compte que tu es toujours incapable de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des zones fortes. Le diable contrôle une partie,
et il agit là. Voilà pourquoi les armes que nous recevons de Dieu, comme a dit l'apôtre Paul, doivent nous aider à renverser d'abord les forteresses. Une fois si les forteresses sont renversées, une fois si les forteresses sont détruites, tu vas prospérer calmement, sans problème. Tu auras la prospérité spirituelle. C'est-à-dire que ta vie de prière va s'ouvrir d'elle-même. Ta vie de la méditation, la parole, la crainte de Dieu sera ta vie. La sanctification sera ta vie. L'intimité avec le Saint-Esprit, tu ne forceras pas. Ça viendra d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien de l'ennemi en toi. Jésus a dit que le prince de ce monde, le prince de ce monde vient, mais il ne trouvera rien de lui en moi. Que cela veut dire quoi? Que si le prince de ce monde trouve quelque chose en lui, en moi, il pourra me détruire. Et c'est ce que le diable fait. Il cherche, il mène une forteresse. Il se cache derrière les forteresses. Tu pries, tu gênes, tu pries, tu gênes. Mais si tu ne localises pas cette forteresse, si tu ne comprends pas que ça là, c'est ça la forteresse de l'ennemi. Cette colère, c'est ça la forteresse de l'ennemi. Je ne sais pas moi quoi, c'est ça la forteresse de l'ennemi. Je dois déloger cela de mon corps, de ma vie. C'est très difficile pour qu'il y ait une prospérité spirituelle dans ta vie. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps à chercher Dieu. Mais après, ils n'ont toujours pas ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que le diable a créé des forteresses en eux. Et qu'est-ce que Jésus nous dit dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 21-22? Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa propriété, ses biens et ses sûretés. Et ses biens sont en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le bat, il lui enlève toutes les armes auxquelles il s'est fié et il peut distribuer le butin qu'il lui a pris. Donc lui, second, dit ceci, que si un homme fort garde ses biens, tout cela est en sécurité. Mais si un plus fort que lui vient, il va enlever ce qui faisait sa force. C'est alors que tu pourras récupérer tout ce que celui-là a gardé pour t'aider. Bien-aimé, lorsque le diable combat la vie d'une personne, il crée des forteresses. Si on n'enlève pas cette forteresse, c'est très difficile pour qu'il y ait croissance dans ta vie spirituelle. C'est très difficile pour que tu aies croissance dans ta vie, dans tout le département de ta vie. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens cherchent la face de Dieu, cherchent les prix, mais peu de gens voient la main de Dieu. Pourquoi? C'est pas que Dieu est injuste. Oui, je sais que Dieu agit aussi en son temps, mais il y a aussi un aspect que nous ne pouvons pas oublier, ce sont les forteresses de l'ennemi. Les diables travaillent comme ça. Il a plusieurs stratégies pour empêcher les enfants de Dieu de croître. Il a plusieurs stratégies pour empêcher les enfants de Dieu d'aller de l'avant. Il a plusieurs stratégies pour te comprendre. Il te fera croire que c'est toi. Ce n'est pas l'ennemi. C'est toi. Tout ce que tu dis, c'est toi. Les comportements que tu affiches là, ça vient de toi. Tu es mature, tu es adulte, tu prends tes décisions, c'est tout à fait normal, c'est toi. Il te cache devant les pensées. C'est ce qu'on appelle le forteresse. Les forteresses ont pour rôle de détruire complètement la vie d'une personne et de rendre nul afin de ne pas atteindre ton destin. C'est comme ça. Quelqu'un nous a raconté une histoire un jour. Il a dit qu'ils étaient dans un groupe de Croix-Rouge. Alors en Afrique, dans ce groupe de Croix-Rouge, quand ils allaient dans les forêts et tout, chacun pouvait acheter son sucre, chacun pouvait acheter son lait, parce que là, on ne donnait pas le sucre et tout. On va juste faire du thé ou bien le café. Chacun va prendre le café et tu ouvres ton sac, tu sors le sucre, tu mets et tout. Alors, lorsqu'ils voyageaient, arrivés quelque part, le chef a dit, c'est lui qui a l'argent, il achète ce qu'il veut acheter, les sucres et autres. Les garçons n'avaient rien. Mais son ami à côté avait un peu de l'argent, il a acheté les sucres. Et lui, il a vu quand son ami a acheté les sucres. Lorsqu'ils sont arrivés dans la forêt, on fait les cafés et tout, chacun prend les cafés. Lui, dans sa tête, il savait que son ami avait acheté les sucres. Il prend son café, il vient près de son ami, il dit, mon frère, mets-moi un peu de sucre, moi je n'ai pas l'argent. Non, moi je n'ai pas acheté les sucres. Mais moi j'étais avec toi, je t'ai vu quand tu as acheté. Je n'ai pas les sucres, je n'ai pas acheté. Il dit, ok,
Moi aussi, je veux me mettre seulement à tes côtés. Nous allons boire le café ensemble. Comme tu n'as pas les cycles, moi aussi, je n'ai pas les cycles. Et ils ont bu le café jusqu'à la fin sans cycle. Même celui qui avait les cycles n'a pas pu ouvrir son sac pour sortir les cycles. Parce qu'il avait dit à son ami qu'il n'a pas les cycles. Et son ami a dit, je ne me déplacerai pas, je vais rester seulement à tes côtés. Et nous allons boire le café comme ça sans cycle jusqu'à la fin. Et il a dit à son ami, tu as mis ça comme ça par un mauvais cœur, tu as les cycles dans ton sac. Qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est ce que le diable et les forteresses, le rôle des forteresses dans la vie des gens. C'est-à-dire, les forteresses sont là pour t'entraîner à l'échec. Tu as un destin, mais lui il est là pour t'empêcher d'atteindre ce destin. Lui il est là pour t'empêcher d'atteindre ton objectif. Il te fera croire que c'est bon, tu es dans le bon, ne te dérange pas, tu es avec toi, tout va bien. D'ailleurs tu vas à l'église, d'ailleurs tu jeûnes, d'ailleurs tu pries, alors pourquoi tu t'inquiètes? Alors allons. Entre-temps, il y a des choses qui rongent ta vie que tu connais, entre autres, la colère, la nervosité, la méchanceté, l'égoïsme. Tu connais, ces choses-là sont là dans ton cœur, mais les diables te fait croire, il te fera toujours croire que tu es dans le bon, mais t'occupe pas de ces choses. Pourquoi? Parce que c'est ça la clé qui détruit, qui contrôle ta vie. C'est ce qu'on appelle une forteresse. Amen. Mais j'aimerais, avant de prier, que tu fasses un examen de conscience, l'introspection, que tu regardes ton cœur, qu'est-ce qui peut constituer une forteresse en toi? Comment est ta vie? Tu te connais mieux que tout le monde. Réellement, Dieu contrôle ton cœur, tes pensées. Est-ce que tes pensées sont contrôlées par Dieu? Est-ce que ce que tu fais est contrôlé? Dieu est content quand tu penses? Est-ce qu'on peut sortir tes pensées là et t'aller ça devant les gens ici? Les gens vont aimer. Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Tu peux aimer bien, tu peux oublier, gêner, mais qu'est-ce que tu as en toi? C'est ça ce qu'on appelle les forteresses. Les forteresses là, c'est ce qui entraîne les gens dans les mains. Son objectif, d'entraîner jusque dans les trous. Toutes choses qu'on comprend de ce qui est dit. C'est le verset qui va commencer à te répéter chaque jour. Toutes choses qu'on comprend de ce qui est dit. Pour les autres, ça va, mais pour toi, toutes choses qu'on comprend de ce qui est dit. Toutes choses, c'est un verset biblique, n'est-ce pas? Oui, ok, toutes choses qu'on court. Toutes choses qu'on court. Les années passent, toutes choses qu'on court. Les années, tu ne vois rien de toutes les promesses que Dieu t'avait données sur ta vie spirituelle et comme sur deux autres vies, sur tous les départements de ta vie. C'est comme ça. Le diable a beaucoup de stratégies qu'il utilise. Il sait que s'il vient devant toi avec la machette, tu sauras. S'il vient devant toi avec les coups, tu sauras. Tu diras, ça c'est le diable, tu vas te lever. Mais il a aussi les chemins détournés. Il entre par derrière, par tes pensées. Il entre. Et il constitue des forteresses, des zones fortes. Et il te contrôle. Beaucoup de gens sont contrôlés comme ça. Ils se posent des questions. Seigneur, moi j'ai prié. Seigneur, moi je te cherche. Jésus a dit, il faut enlever cela. Il faut briser cette zone-là. Et puis déloger l'ennemi qui est à l'intérieur. Il faut que cette maison-là, fortifiée, soit détruite. Il faut que cela soit détruit. Tous ces bétons la quittent. Comme ça, nous allons sortir ces démons qui contrôlaient un des départements de ta vie. Apôtre Paul a dit que l'onction, les armes là, doit nous aider, doit t'aider ce soir à renverser, à briser ces forteresses-là de l'ennemi qui contrôle, qui dérange ta vie. Qui te fait croire que tu es avec toi, tout va bien, tu es dans les bons. Mais pourtant, il te ronge. Il est en train de te ranger. Il est allé de t'entraîner vers le trou. Et beaucoup de chrétiens sont emportés comme ça. Sont emportés comme ça par ignorance ou peut-être par orgueil. Mais Dieu veut que nos yeux spirituels s'ouvrent. Dieu veut que nos yeux spirituels s'ouvrent. Dieu veut que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que tu comprennes que la présence de Dieu dans ta vie est venue changer toutes les choses. Toutes les choses doivent changer en toi. Tout doit changer. Tu as droit à la paix. Tu as droit à la joie. Tu as droit à toutes ces choses. À une vie chrétienne satisfaisante. Une vie chrétienne merveilleuse avec Jésus. Tu as droit à cela.
une vie de paix, de tranquillité, pas de trouble. Où tu passes tes temps dans la prière, tu es heureux. Quand tu pries, tu es dans la joie. Tu n'as même pas envie de dire Amen. Tu es à genoux dans ta chambre. Oh, tu as comme l'impression que tu es au ciel. La gloire de Dieu descend et monte. Comme Jacob avait vu ce jour-là sur les terres. La gloire des anges montait et descend. Tu as droit à cela. Que le diable prépare les projets pour ta famille, tes enfants, tes cousins, tout. Pendant la nuit, les yeux de ciel t'ouvrent les yeux. Tu vois toutes ces choses, tu te lèves et tu as néanti cela. Demain, tu as les résultats. Tu as besoin d'une vie chrétienne prospère. Tu as besoin de ça. Et c'est ton droit. Combien de fois, même quand tu prends la décision de prier, tu ne pries pas bien. Même quand tu pries, tu as comme l'impression que ce n'est pas ça la prière que tu devrais faire. Mais tu n'as pas la force. Comment est-ce que je peux changer ma prière? J'ai envie de prier profondément. Seigneur, j'ai envie de chercher Dieu. Mais c'est comme si je n'arrive pas à le chercher. Qu'est-ce qui t'empêche? C'est sur les forteresses qui t'empêche d'atteindre un certain niveau avec Dieu. Parce qu'une fois que tu atteins ce niveau, les choses vont changer en toi. Amen, dans le mal, il détruit. Vous savez, Dieu n'avait pas rejeté Caïn au début. Mais Dieu avait plutôt rejeté son offrande. C'est l'offrande qui était rejetée avant. Parce qu'il n'avait pas donné l'offrande qu'il fallait. Au début, Caïn pouvait réparer avec Dieu. Mais parce qu'en lui, il y avait déjà une sémence qui le poussait. Il a eu comme l'impression que si son offrande était rejetée, c'était à cause de l'autre. Et il saute sur son frère en vain. Ton problème, ce n'est pas à gauche. Ton problème. Ton problème, ce n'est pas à gauche. Ton problème, ce n'est pas à droite. C'est à toi. Regarde ces forteresses qui dérangent, qui compliquent les vies. Tu dois prendre la décision toi-même, sans qu'on te pousse. Regarde ta vie toi-même. Est-ce que tu marches bien avec le Saint-Esprit? Si oui, gloire au Seigneur. Sinon, qu'est-ce qui t'empêche? Tu vas sortir de ces histoires-là, les tempéraments. Tu vas sortir. L'Éternel se cache derrière ces histoires-là. Tu dois sortir de ces histoires-là. Nous, dans notre famille, tu dois sortir. Tu n'appartiens plus dans ta famille depuis le jour où tu as cru au Seigneur. Jésus a dit, mon père et ma mère sont ceux qui écoutent ma prière. Ceux qui m'écoutent, ceux qui sont là, ce sont tes mes parents. Il voulait juste dire, lorsque nous devenons chrétiens, lorsque nous acceptons Jésus, nous sortons spirituellement de cette famille-là. Les influences de cette famille-là ne peuvent plus te déranger. C'est ce qu'on appelle les forteresses. Et ce soir, bien-aimé, tu vas briser toutes ces forteresses-là. Mais lorsqu'un homme est protégé par un gilet par balles, même si on les tire, les balles ne vont pas le pénétrer parce qu'il est protégé par un gilet par balles qu'on appelle l'antibal. Mais pour tuer cette personne, il faut enlever ce gilet. Amen. Il faut enlever ces gilets-là, papa. Une fois les gilets sont enlevés, facilement vous pouvez tuer la personne. C'est ça les forteresses. C'est comme quelque chose qui se cache en toi, bien protégé. Tu envoies les prières, tu pries, mais tu ignores exactement où se trouve le vrai problème qui dérange ta vie. Les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais ces armes-là, ce soir, doivent t'aider à briser les forteresses que le diable a placées dans ta vie, que le diable a placées dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari, que le diable a placées dans la vie de tes enfants. Il y a des enfants comme ça à qui le diable a posé les forteresses. Même quand on les conseille, même quand vous priez, même si vous agenouillez, rien, il ne change pas sa décision. C'est juste parce qu'il y a une forteresse. Cette forteresse-là empêche ce que vous dites d'entrer et de changer sa vie. Yeah. C'est comme
ça que le diable agit. Tu peux pleurer, t'agenouiller, rien ne change. Parce que le diable a mis quelque chose. Il y a des femmes comme ça. Même quand les maris parlent, il est ça rentre, ça sort. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, que le diable a placé une forteresse. Et cette forteresse, c'est comme un gilet pare-balles. Ça empêche tout ce que vous dites là d'entrer, de pénétrer son cœur. C'est comme ça que le diable. Et elle-même, elle ne saura pas que le diable a placé une forteresse. C'est tout à fait normal. Je n'ai pas aimé ce que mon mari a dit, c'est tout. C'est ce qu'elle va dire. Je n'ai pas aimé ce que ma femme a dit. C'est tout. Ou les enfants, je ne suis pas content, je n'aime pas ce que mes parents me disent. Mais en réalité, ce n'est pas ça le problème. Spirituellement, il y a une forteresse qui crée tous ces désordres, tous ces troubles. Il faut que les forteresses soient enlevées. C'est alors que l'ennemi pourra être délogé et il y aura la prospérité. Amen. Nous voulons prier, bien-aimés. Nous voulons prier. J'aimerais que tu te disposes dans la présence du Seigneur. Je veux que tu te disposes dans la présence du Seigneur. Je veux que tu te disposes dans la présence du Seigneur.